Buonasera. Bonsoir et bienvenue à ce colloque international qui a pour titre Consecratio et Consecratio per Evangelica Concilia et a un sous-titre Réflexion, questions ouvertes, chemin possible. Or, ce colloque a été organisé par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée, les sociétés de vie apostolique. Et représente une étape d'un cheminement de réflexion, un chemin qui a commencé depuis longtemps, lié justement à l'activité de notre dicastère, et qui a connu son point culminant il y a 2 mois dans un séminaire d'études dans lequel, de manière interdisciplinaire, on a considéré la question de la consécration et de la consécration par les conseils évangéliques. Des journées intenses de réflexion et d'études qui ont vu des experts s'interroger sur ce thème et donner une première réponse du point de vue de l'approche biblique, de l'approche historique, de l'approche théologique avec plusieurs nuances et surtout suivant une approche juridique. Les actes de ce séminaire qui vont bientôt être publiés vont montrer la richesse et l'interdisciplinarité de ce thème, de ce sujet qui a trouvé plusieurs espaces dans des exposés et contre-exposés qui parfois ont été ponctuels, parfois ont été de nouveaux exposés avec l'ouverture de nouvelles pistes de recherche et d'études. On va suivre notre programme que vous connaissez très bien et le thème de la consécration et de la consécration par les conseils évangéliques va être traité selon 3 approches différentes, l'approche biblique, l'approche théologique charismatique et l'approche juridique. Comme vous le voyez au programme, donc je voudrais passer la parole au cardinal, le préfet de notre dicastère, João Bratz de Avitz, mais seulement après avoir dit quelques points saillants de son CV pour que les rares personnes qui ne connaissent pas très bien et qui ne connaissent pas très bien sa vie, sa mort et ses miracles, et bien pour qu'ils puissent bien le connaître. Son éminence est née en 1947, João Bratz de Avitz, cardinal brésilien, il a été ordonné prêtre en 1972 et promu à l'épiscopat en 1994. Il a été affecté au siège de Fenoclet. Ensuite, il a été déplacé au siège de Ponta Grossa, diocèse de Maringa en 2002, à Brasilia en 2004, archidiocèse qu'il a régi jusqu'en 2011. Et depuis 4 janvier 2011, il est le préfet du dicastère pour la vie consacrée, qui a été créé. Il a été nommé cardinal en 2012 par le pape Benoît XVI. Il appartient à l'ordre des cardinaux diacres et il est assigné à Santa Elena, hors Porta Prenestina. Il est membre de la Congrégation des évêques, du clergé, de l'éducation catholique et du comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux. Donc je vais lui passer la parole pour qu'il puisse inaugurer notre colloque international. À vous la parole. Les traductions vont bien? Ça va pour la traduction en français, vous entendez? Ben, cominciamo bene. Alors, on commence très très bien, car parfois on a des difficultés au niveau de la traduction. Comme ça, on peut se comprendre un petit peu dans toutes les langues. On a un petit peu pris l'habitude à vous attendre avec joie à Rome pour des moments tels que celui-ci que nous allons débuter aujourd'hui, pour approfondir le sens de notre vie de consacré au sein de l'Église
et proche du pape François, qui est Pierre pour nous en ce moment de la vie de l'Église. En effet, déjà, depuis l'année de la vie consacrée en 2015, se sont intensifiés nos moments de formation et de dialogue, aussi bien ici à Rome que dans d'autres rencontres dans les cinq continents. Guidés par l'Évangile de Jésus et par l'orientation du magistère de l'Église, nous avons approfondi jusque-là plusieurs dimensions de notre vocation consacrée dans les différents charismes que Dieu a donnés à l'Église par nos fondateurs et nos fondatrices. Pour cela, nous vous accueillons encore une fois ici avec une très grande joie, c'est vrai. Donc, voir ce mouvement de la vie consacrée aujourd'hui pour nous est une immense joie. Donc, malgré le bon nombre de difficultés, nous nous encourageons. Donc, merci de votre engagement d'être venu pour chercher ensemble les lumières que le Seigneur nous réserve à propos de la compréhension de la consécration au moment actuel de l'Église et de notre consécration par la profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Nous sommes là aujourd'hui des membres des instituts de vie consacrée, de sociétés de vie apostolique, d'instituts séculiers, de l'Ordo Virginum, des nouveaux instituts ou nouvelles formes, des associations et des mouvements de l'Église, et peut-être aussi quelques ermites est présent parmi nous. Nous représentons un peuple nombreux au sein de l'Église et nous essayons ensemble de faire en sorte que le vin nouveau de Jésus renouvelle les outres de la vie consacrée pour pouvoir expérimenter la joie de l'Évangile et pour pouvoir aider le Seigneur à donner cette joie de l'Évangile à bon nombre de personnes qui s'approchent de nous. En voulant nous préparer très bien pour cette rencontre avec vous, au début du mois de mars dernier, nous, du dicastère pour la vie consacrée, environ une quarantaine de personnes, nous sommes trouvés avec quelques professeurs de nos universités, les universités de Rome et d'autres universités, avec les supérieurs généraux et les membres des instituts et des sociétés, pour connaître plus en profondeur et pour nous échanger sur le phénomène diversifié de la consécration aujourd'hui dans l'Église. Si d'un côté, l'Église nous assure que toutes les formes de consécration vraies sont un don de l'Esprit-Saint pour la vie du cœur de l'Église tout entier, de l'autre côté, nous avons besoin de critères authentiques pour discerner ce qui se passe. En effet, nous parlons de personnes consacrées qui prennent comme forme de vie consacrée les conseils évangéliques, qui assument les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Il en est ainsi pour les membres des instituts, des sociétés de vie apostolique, de l'Ordo Virginum, des instituts séculiers et pour les ermites. Mais aujourd'hui, on parle de consécration aussi pour des personnes mariées, au sein des nouvelles formes ou des mouvements ecclésiaux, comme c'est le cas des dites familles ecclésiales. Comment comprendre et comment vivre dans cette diversité les éléments propres à la consécration selon l'orientation de l'Église? Donc, c'est un petit peu là la question qu'on se pose et qui nous occupe. Demain, le pape François va nous aider avec la grâce de Pierre. Cette rencontre va être très importante pour nous demain, demain matin. Mais il nous incombe de chercher avec lui les lumières de l'Esprit-Saint. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce colloque
d'aujourd'hui. Depuis le Conseil Vatican II, nous comprenons que la vie consacrée fait partie essentielle de l'Église. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre autrement ces choses. Donc, ça fait partie essentielle de l'Église. Donc, les charismes sont co-essentiels dans l'Église à la hiérarchie. Et là, l'Église, il faut comprendre aussi que l'Église est le peuple de Dieu qui chemine dans l'histoire. En elle, il a voulu sanctifier, sauver les hommes, non individuellement et sans lien entre eux, mais il a voulu en faire un peuple qui le reconnaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Donc là, je cite de Lumen Gentium du Concile. Le Concile Vatican II a consacré le chapitre 6 de la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, les numéros de 43 à 47. Donc, il a consacré ces numéros à nous, les religieux. Les religieux sont vus par les pères conciliaires comme faisant partie intégrante du peuple de Dieu. Donc, ils ne sont pas séparés, ils sont au beau milieu du peuple. Même s'ils font référence particulièrement à la consécration par les conseils évangéliques, les pères conciliaires affirment que le baptême déjà avait fait mourir le fidèle au péché, l'avait consacré à Dieu. Donc, il l'avait fait mourir au péché et consacré à Dieu. Mais pour pouvoir recueillir en plus grande abondance le fruit de la grâce baptismale, il se consacre plus intimement au service de Dieu. Là aussi, c'est un autre numéro de Lumen Gentium. Ceci constitue précisément une consécration particulière, c'est-à-dire la vie consacrée qui s'enracine intimement, comme le dit le concile dans Perfecte Caritatis, s'enracine intimement dans la consécration du baptême et l'exprime avec plus de plénitude. Alors, cela veut dire que la consécration baptismale trouve une place fort spéciale dans ce chemin de consécration. Donc, il faut en être conscient. À cet égard, le pape François, dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde contemporain, et maintenant du 19 mars de cette année, eh bien, il veut surtout rappeler, et là je cite le pape, l'appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous, comme il le dit. Cet appel qui s'adresse à toi aussi. Soyez saints parce que moi je suis saint, du Lévitique, première épître de Pierre. Le Concile Vatican II continue, le pape François, l'a mis en exergue avec beaucoup de force, pourvu de moyens salutaires, d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tout ce qui croit au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par le Seigneur, chacun par son chemin à une sainteté dont la perfection est la perfection même du Père céleste. C'est le numéro 14 de cette constitution apostolique Gaudete et Exultate. Donc, la sainteté est vue comme un cheminement pour tout le monde, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde au sein de l'Église. Et c'est ainsi qu'on peut prévoir que la vie consacrée, à partir de maintenant, va être un signe de plus en plus important de cette sainteté au milieu du peuple. Et tout de suite après, le pape invite tout le monde avec décision. Laisse à ce que la grâce de ton baptême puisse fructifier dans un cheminement de sainteté. Alors, laisse que cette grâce du baptême puisse fructifier dans un cheminement de sainteté. Dans les circonstances actuelles, le fait de prendre conscience plus clairement de la consécration baptismale qui nous a engendré un enfant de Dieu et nous a constitué frères et sœurs dans la passion, dans la mort et la résurrection du Seigneur pourra nous aider également à mieux comprendre le sens de la consécration de manière diverse mais complémentaire au sein du peuple de Dieu en partant justement de cette grâce baptismale.
Et en dernier, je voudrais rappeler encore que dans le décret Perfecte Caritatis sur le renouveau de la vie religieuse, le Concile dénombre les éléments communs à toutes les formes de vie religieuse. Bien sûr, je ne vais pas les reprendre, car ça va paraître dans tous nos travaux de ces jours. Nous sommes maintenant réunis ici en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, consacrés dans les différentes formes. Nous confions à la présence de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint est présent parmi nous pour réfléchir. C'est notre premier but à nous de réfléchir, comme le Père Pacciola le disait, pour nous échanger sur des questions ouvertes. Et il s'agit de questions pour mieux comprendre notre consécration et pour nous orienter sur les cheminements possibles, les chemins qui sont possibles aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à vous tous et toutes et à nous tous et toutes un très bon colloque dans la grâce de Dieu. Nous remercions le cardinal préfet pour ses propos d'introduction. Il a déjà tracé le cadre au sein duquel nous allons évoluer. En effet, nous ne partons pas de zéro. Nous avons l'enseignement du Concile, qui est le point de repère, la référence. Et le numéro 43-46 de Lumen Gentium et puis Perfecte Caritatis, donc ces deux articles qui vont, sur lesquels on va porter notre attention, surtout demain, et qui seront confirmés par le magistère pontifical de tous les papes des dernières 50 années et par l'enseignement du dicastère dans plusieurs documents, toujours en se basant sur la distinction entre la consécration baptismale et la consécration spécifique au moyen des conseils évangéliques.